Bonjour, j'ai cueilli quelques branches de fleurs de sereau pour préparer mon rhum de fleurs de sereau. Même il est conseillé de l'utiliser les fleurs directes pour nos recettes pour bien bénéficier du pollen et de parfums de fleurs. Je préfère de les laver deux ou trois fois avec de l'eau propre pour bien éviter la consommation d'impuretés. Avec les fleurs de sereau, nous pouvons faire pas mal de recettes comme des confitures de sereau, des fritures. Voilà. La consommation des cadeaux de la nature saisonnale comme celle-ci augmente notre pouvoir d'immunité de santé pour bien vivre aussi longtemps possible. Une fois qu'elles sont bien lavées et filtrées, l'eau, pour une part de fleurs, je mets 3 parts de sucre et je les laisse macérer sous le soleil 2 ou 3 jours jusqu'au le sucre soit bien fondu. De suite, j'ajoute 10 parts de rhum et je le laisse macérer au moins 2 mois avant de la consommer. Le rhum de fleur de sirop, nous pouvons utiliser pour préparer nos boissons, aussi pour faire des gâteaux et des crêpes, toutes nos préparations de pâtisserie. Voilà, c'est tout. Je vous dis salut.